C'est vraiment une région qui est à la croisée des chemins. Si on se remet au 15 janvier 1921, premier numéro du magazine La Terre Sainte, les Ottomans sont partis 3 ans avant et les Anglais occupent déjà le territoire, mais le mandat britannique n'est pas encore véritablement institué. Donc c'est une région qui est en fait en train de quitter ce qu'on a appelé l'âge des empires et qui est en train d'entrer de plein pied dans l'âge des nations. Et on sait que c'est ce qui va évidemment avoir des conséquences historiques très très lourdes dans les décennies suivantes. Alors Jérusalem, précisément, 1921, c'est à peu près 70 000 habitants, donc 10 fois moins d'habitants qu'aujourd'hui. 35 000 habitants dans la vieille ville, comme aujourd'hui, mais 35 000 en dehors des murailles. Et des communautés qui cohabitent assez bien, à l'époque ottomane, très bien même. Les premiers affrontements à Jérusalem, c'est avril 1920, pèlerinage de Nabi Moussa, des émeutes assez violentes entre les communautés arabes et les communautés juives de Jérusalem, 6 morts de part et d'autre. En fait, on se rend compte que les éléments qui vont conduire au désastre à partir du milieu des années 30 sont déjà en place au tout début des années 20. Il y avait des communautés juives indigènes, endogènes, arabophones, qui étaient parfaitement intégrées à la société de Jérusalem. Et puis la société arabe, elle était extrêmement plurielle, hein, elle était composée d'une minorité chrétienne beaucoup plus importante qu'aujourd'hui, et puis qui avait beaucoup plus d'influence qu'aujourd'hui. Et donc je pourrais dire que c'était une société beaucoup plus fluide, beaucoup plus poreuse, avec des frontières communautaires beaucoup plus lâches. Ce colloque va nous raconter beaucoup de choses sur l'histoire de Jérusalem et de la Palestine depuis 1920. Et on sait que c'est un siècle où il s'est passé tellement de choses. Je crois que ça va être vraiment un point fort de ce colloque auquel je me réjouis de participer au Collège des Bernardins.